Yalta, ville balnéaire de Crimée, connue de tous les amateurs de Tchekhov, est devenue pendant un demi-siècle le symbole du partage du monde. C'est là qu'à la fin de l'hiver 1945, Staline, qui ne voulait jamais sortir du territoire occupé par l'armée soviétique, avait convié Churchill et un Roosevelt quasi mourant pour mettre au point l'organisation définitive du monde de l'après-guerre. C'est tout d'abord cette image du grand président parvenu épuisé au terme de son voyage après une longue étape au Caire qui n'a cessé de frapper les imaginations. Un président à bout de force pour une Amérique triomphante. Un président idéaliste frappé par la mort qui n'aura pas la force morale de s'opposer aux appétits dévorants de Staline. Deuxième image d'Épinal de Yalta, cette scène extraordinaire comptée 7 ans plus tard par Churchill dans ses mémoires de guerre où le premier ministre britannique et le dictateur soviétique s'échangent sans mot dire de petits bouts de papier sur lesquels figurent des pourcentages d'influence dans les différents pays d'Europe balkanique. Yalta a aussi frappé les imaginations par ses absences. Ni la France, ni la Chine ne sont en effet présentes. Et le général de Gaulle, comme Mao Tse-tung plus tard, ne manqueront jamais par la suite de dénoncer les appétits hégémoniques des trois grands qui consomment à ce moment-là l'effacement des moyennes puissances alliées au rang desquelles la France est descendue en raison de sa défaite de 1940. La dénonciation de l'esprit de Yalta ne cessera plus de faire partie de l'arsenal rhétorique du gaullisme. Pourtant, cette image d'une conférence mythique où l'on se partage le monde et où Roosevelt capitule devant Staline ne résiste pas à l'examen des réalités. Quels sont les faits? Et tout d'abord, où en est la guerre en février 1945? On se bat encore sur deux continents avec une sauvage intensité. À l'ouest, la Wehrmacht, après une ultime offensive dans les Ardennes qui a fait vaciller les Américains, est maintenant partout en déroute. Sur le front de l'Est, la même Wehrmacht se bat avec l'énergie du désespoir le long de l'Oder et à Budapest. Elle maintient encore Mussolini à bout de bras dans Milan, mais la route de Berlin est pratiquement ouverte à l'armée rouge. Les Russes ne sont plus qu'à 70 km de la capitale du Reich. En Asie, les Japonais vont bientôt abandonner les Philippines et la Birmanie, tandis que leurs villes commencent à être bombardées sans relâche. Toutefois, ils occupent encore les 4/5 des territoires conquis depuis 1937. En Chine et au Vietnam, l'armée japonaise a encore progressé pendant l'hiver 1945. Seule une intervention soviétique en Chine du Nord semble en mesure de raccourcir la durée du conflit. Chacun des trois protagonistes a donc un projet bien spécifique qu'il porte en cette fin de partie. Pour la Grande-Bretagne, épuisée par une guerre qui a commencé pour elle dès le 3 septembre 1939, il s'agit avant tout de préserver son statut de grande puissance en s'assurant des garanties de modération soviétique au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est. Il s'agit aussi de verrouiller la présence américaine pour l'avenir, sans laquelle l'Europe continentale risque d'être balayée par une situation chaotique ou révolutionnaire. Churchill cherche donc tout d'abord à influencer Roosevelt, ensuite à échanger avec réalisme des pions avec Staline. Pour l'Union soviétique, le jeu est beaucoup plus offensif. Staline estime que les immenses sacrifices humains et matériels consentis pendant la guerre, plus de 20 millions de morts, lui permettent d'obtenir la légalisation d'une vaste zone d'influence en Europe de l'Est. Il cherche également à empêcher qu'une Allemagne vaincue mais intacte dans ses frontières ne se tourne d'emblée vers les Anglo-Américains à son détriment. Et ce second objectif l'oblige en fait à modérer ses appétits. Quant à Roosevelt, il est surtout alors obsédé par la vigueur de la résistance japonaise. Au moment de Yalta, la bombe atomique n'est pas encore au point et Roosevelt craint tout simplement de voir son armée enlisée dans un conflit prolongé en Asie dont l'Union soviétique s'exonérerait pour se concentrer sur les affaires de l'Europe. Aussi est-il prêt à accorder de larges concessions à Staline en échange d'une intervention militaire soviétique contre le Japon et d'un engagement simultané de la même Union soviétique à participer à l'organisation de la paix en Europe. Chacun soupçonne les autres de vouloir utiliser les positions militaires acquises aux fins de créer des faits politiques irréversibles. Ainsi sont disposées les pièces sur l'échiquier quand la partie commence. Voyons maintenant les points principaux autour desquels l'affrontement va se dérouler. De quoi parle-t-on à Yalta? On ne parle pas véritablement de partage de l'Europe, car celui-ci est déjà en réalité bien entamé sur le terrain par les avancées stratégiques de l'armée rouge. Bien plus tôt, on parle du sort politique qui sera fait à ces nouvelles conquêtes communistes qui s'étendent des rives polonaises de la Baltique à l'Adriatique yougoslave et on parle par là même de l'organisation institutionnelle de la nouvelle Europe qui se redessine ainsi.
La discussion se concentre particulièrement sur le sort de la Pologne, le plus grand pays de l'Europe de l'Est, dont le gouvernement en exil à Londres a rompu en 1943 avec Moscou et se trouve opposé à un second gouvernement pro-soviétique installé par Staline à Lublin sous la protection de l'armée rouge. Mais la Pologne sera davantage qu'un symbole, la plaque sensible de tout l'avenir de l'Europe de l'Est. L'autre sujet principal de discussion, ce sont les conditions de la capitulation allemande. Là, c'est Staline qui est sur la défensive, car il craint que l'Ouest ne manipule à son profit le désir de capitulation d'une fraction croissante des autorités civiles et militaires allemandes. Or, les Soviétiques voudraient pouvoir détruire tranquillement l'Allemagne de fond en comble. Également au cœur des discussions, la question de l'entrée en guerre des Soviétiques contre le Japon. En filigrane, on discute déjà aussi des futurs pouvoirs de l'ONU et plus généralement de la place nouvelle que Londres et Washington seront amenés à concéder à Moscou dans la gestion des affaires mondiales. Ici encore, trois approches bien distinctes se font jour. Désormais, la partie est engagée. Comment va-t-elle se dérouler ? C'est un mythe tenace que de présenter un Roosevelt malade et incertain, arrivant à Yalta pour abandonner l'Europe de l'Est à Staline. Roosevelt conçoit en réalité la politique extérieure des États-Unis comme le prolongement naturel de sa politique intérieure. Ayant réussi depuis 1932 l'intégration au système démocratique du mouvement ouvrier américain, il souhaite procéder un peu de même avec l'Union soviétique stalinienne. Il propose ainsi à Moscou de se contenter, vis-à-vis de l'Europe de l'Est, d'une sorte de parrainage assez proche de celui qu'exercent les États-Unis sur l'Amérique latine. En revanche, il refusera de concéder quoi que ce soit en matière d'indépendance de la Pologne. Churchill oppose à cette vision mondialiste une vision plus réaliste. Pour lui, l'Empire britannique ne peut survivre sans une Europe forte. Et cette Europe forte, sans aide et présence américaine. En revanche, il considère comme utopique d'empêcher Staline d'exercer son contrôle sur les États faibles des Balkans qu'il aura lui-même libérés avec son armée. Aussi va-t-il officialiser l'hégémonie soviétique sur la Bulgarie, la Roumanie et la Yougoslavie de Tito, qui est déjà son partenaire, en échange, en Grèce, des mains libres que Staline fait mine de lui abandonner. Pour la Pologne, Churchill accepte au contraire de contraindre le gouvernement polonais de Londres à se dissoudre, et en échange, Staline accepte, lui, l'indépendance formelle de la Pologne et la tenue d'élections vraiment libres dans ce pays, ainsi que par extension géopolitique, en Tchécoslovaquie et en Hongrie. Quant à Staline, malgré une réelle sympathie pour Roosevelt et une admiration non feinte pour Churchill, il cherche avant tout à monnayer tout de suite ses avantages militaires. Alléché par la réelle politique de Churchill, il accepte les pourcentages d'influence entre soviétiques et occidentaux dans les Balkans. Il recule nettement pour le moment en Pologne, mais il obtient en échange que l'armée rouge soit la seule à engager la bataille finale à Berlin. Enfin, il commence à accepter le principe d'une entrée en guerre avec le Japon, quelques mois après que sera intervenue la capitulation allemande. Dès ce moment, l'idée d'une mise à mort pure et simple de l'État allemand envisagée à Téhéran en 1943 régresse au bénéfice du principe d'une occupation militaire. On décide pour les modalités concrètes de se revoir après la capitulation. Ce sera à Potsdam, banlieue de Berlin, en juillet 1945. Roosevelt ne sera plus de ce monde et Churchill, ou plutôt son parti, les conservateurs, auront été balayés par les travaillistes. C'est là enfin que seront vraiment concrétisées les décisions de Yalta. Premièrement, une Allemagne amputée de ses frontières de l'Est par la Pologne et l'Union soviétique, mais demeurant unifiée, est divisée en quatre zones d'occupation, soviétique, américaine, britannique et française, Churchill ayant fait prévaloir, malgré l'absence de De Gaulle à la conférence, le principe d'une zone française dans le but de limiter l'influence soviétique en Europe. Deuxièmement, une Pologne indépendante et démocratique, déplacée vers l'Ouest au détriment de l'Allemagne, mais abandonnant de vastes territoires à l'Est, à l'Union soviétique. Troisièmement, le principe de l'entrée en guerre de l'Union soviétique contre le Japon dès le mois d'août suivant. Il serait donc absurde de prétendre qu'il ne s'est rien passé à Yalta. Mais les tournants essentiels qui constitueront la guerre froide se sont déroulés ailleurs et plus tard. En février 1945, la bombe atomique en est encore au stade de son expérimentation au Nouveau-Mexique. Malgré son excellent appareil d'espionnage, Staline n'en comprend d'ailleurs pas l'importance. Les États-Unis n'ont pas encore mis en avant un mécanisme de présence active en Europe. Ce ne sera qu'en 1947,
avec le plan Marshall. Roosevelt pense encore rapatrier l'essentiel de son armée dès la victoire acquise. Quant à la victoire de Mao Tse-tung, elle n'intervient que 3 ans et demi plus tard, en 1949. Elle n'a pas encore fait basculer le rapport des forces en Asie. C'est aussi pour toutes ces raisons que Staline est encore à Yalta prêt à de nombreuses concessions, persuadé que l'avenir travaille pour lui et pour lui seul. Yalta est certes un chaînon dans le processus de naissance de la guerre froide, mais il n'en est ni le commencement absolu, ni le moment de partage rigide du monde que la légende nous décrit. En effet, si les deux dispositions principales de l'accord, unité de l'Allemagne et indépendance de la Pologne, avaient été maintenues par la suite, il n'y aurait sans doute pas eu de véritable guerre froide en Europe. Et il faudra attendre 1989 pour non pas dépasser Yalta, mais tout simplement y revenir par une Allemagne réunifiée et une Pologne enfin indépendante.